Bonsoir à ceux qui sont là, ou bonsoir YouTube pour ceux qui seront en replay. On est toujours sur Medieval et on a bien avancé quand même par rapport à l'autre fois. Enfin l'autre fois, en même temps c'est l'autre fois qu'on a avancé. Je vais juste bouger un peu le micro. Voilà, c'est mieux. Je me sens mieux là. Donc, la dernière fois, nous avons fait la zone des anciens défunts, qui était la zone de l'ancienne bataille des démons, pardon, des démons de Zarok face à l'armée du roi Pérégrin et donc de Galomer. Une zone donc de mort-vivant et d'armure qui bouge toute seule. On est mort très bêtement plusieurs fois, et pourtant la zone n'était pas compliquée. Ensuite, nous avons fait le lac. C'était un peu plus dur, et pourtant c'était quand même assez intuitif. Et pareil, on est mort très bêtement 2-3 fois. On a perdu une heure hein, quand même avec ces morts. Et au final, on a réussi à la terminer. Et on va passer aux cavernes de cristal. Cavernes en cristal, pardon, les cavernes en cristal. C'est parti! C'est joli en tout cas le fond d'écran là, enfin le fond du chargement. Oh non, il y a des démons. Il y a des démons dans la zone. On peut pas bouger la caméra comme on veut. Bon. Alors je termine juste une publication. Voilà, normalement ça va être bon. Alors, est-ce qu'on peut bouger la caméra? Non, alors on ne gère pas la caméra comme on veut, c'est embêtant. On va mettre notre arc enflammé, sachant qu'on a un arc avec des flèches magiques, un arc magique qu'on n'a pas encore testé, mais on n'a que 50 munitions qui coûtent très cher. On va éviter. Par contre, l'arc enflammé, on a vu que dans la forêt enchantée, c'était très utile contre les démons alors qu'on en a chié pendant un moment. Et par la suite, on nous a dit, hey, t'as qu'à essayer l'arc enflammé. Ouais, en effet, c'est pas bête. Reste à savoir maintenant si on peut viser correctement. Et j'aimerais juste voir ce qu'il y a derrière là. Non, on peut pas. Bon. Meurs. Aidant. Et les flèches qui restent par là. Oh, le calice! Bah, le calice, il est juste en face là. Enfin, juste en face, sur notre gauche. On va jeter un oeil à ce qu'il y a au sol quand même. Bon, j'ai quand même l'impression qu'on ne va pas être trop au sol. On a encore du démon en face. Il y a deux démons en face. Juste en face et un petit peu plus à gauche. C'est bien détaillé au sol quand même, donc, mais non, j'ai pas vraiment l'impression qu'on puisse y accéder. Bon ben, avançons. Ah, deux flèches ont suffi pour lui. Ah, ou alors c'est que tout à l'heure il y avait vraiment deux démons et j'ai tiré un peu au pif, hein, comme d'hab en fait. Elles sont sympas ces cavernes. Bon, bah deux flèches suffisent, parfait. Je regarde si j'oublie rien parce que ça me perturbe un peu que le sol soit si détaillé. Ah, une gargouille. L'ancienne ville de Melomide a été détruite par des créatures connues sous le nom de Rhinotaur. Ils sont encore vivants, hibernant dans les profondeurs de ces cavernes et se servant du cristal pour rester en vie. D'accord. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Je ne sais pas. On va dire que c'est une mauvaise chose.
Oh là. Mais je peux marcher sur ça? Non, hein, il fallait bien sauter, ça me paraît... Ah non. Ça n'est pas gênant, d'accord. Bon, ben, soit. Hein. Alors, on a le choix entre à gauche ou à droite. Bien sûr, à gauche c'est là et à droite c'est là, et pas dans le sens inverse que j'ai dit. Nous allons de ce côté-là. Il y a une chauve-souris qui m'attaque ou... Ah oui. Alors là, je suis pas sûr que je devais sauter comme ça. Je pense que c'est pas normal ça. Bon, je pense que c'est là où on devra descendre plus tard. Il y a encore du monde ici. Oula, vous l'avez vu là. Donc nous on vient de là, c'est ça. Attendez, juste que je me repère, parce que si c'est un labyrinthe, ça va pas le faire. On vient du cristal rouge. Celui-là il se casse pas. Celui-là il se casse pas. On va aller par là. Dégagez les chauves-souris. Ah, il y a un coffre piège. Ah! Il va m'embêter, on va y aller avec ça. Voilà. Et on va remettre notre arc enflammé. Bien utile cet arc enflammé quand même, hein. Je suis en train de bousiller mes flèches, c'est pas bon signe. C'est bon la chauve-souris? Non, elle est là. Ok, une nouvelle entrée dans le livre. Nous allons le lire tout de suite. En termes d'alliés, il nous en manque 4. En termes d'ennemis, il nous en manque 1. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze et 12. Il nous en manque 12. Un peu de lecture. En s'essayant à l'extraction minière, les citoyens de Mélomède ont provoqué la colère destructrice des Rhinotaures. Ces monstres ont depuis repris leur hibernation. Rien ne les horripile plus que d'être tirés du sommeil trop tôt. Et pour eux, avant 14h, il est toujours trop tôt. Comme beaucoup de monde. Alors on a un coffre en haut. En fait, je sais pas s'il fallait vraiment aller à droite dès le départ. Il y a déjà de la régène de ce côté-là, mais on a vraiment quasi... Enfin, on a presque pas perdu de vie. Donc je pense qu'il faut aller vraiment aller de l'autre côté d'abord. On va prendre le coffre quand même au cas où. Oh là! Il y a un gros cristal juste sur... Juste en haut là. Non, bon. On peut pas l'attaquer lui. Apparemment non. Bon, on va faire demi-tour, on va passer de l'autre côté. Étant donné qu'on a une fontaine ici, on reviendra. Enfin, je suppose que c'est la suite vraiment du niveau.
Donc on verra par la suite. Ah c'est bien, j'ai une pop-up sur le chat, du coup je vois pas du tout si vous parlez, c'est génial. Qui c'est qui m'attaque? Ah, chauve-souris! Voilà. Une d'étoile. Oh! D'accord, mais je vois que dalle en fait. Il y a forcément quelque chose. Si je... Il y a une plateforme au sol juste là. Ok. Je vois pas le chat, je suis désolé, j'ai une pop-up dessus donc... J'essaie de régler la pop-up du chat. Non, j'aimerais bien l'enlever cette chose. Ah, c'est chiant. Bon, j'y arrive pas. Désolé le chat, j'arrive pas à vous lire là. J'ai cette pop-up qui m'embête. Les coffres de cadeaux de la communauté, c'est bien sympa, mais ils auraient pu mettre ça ailleurs. Ou alors je fais ça, voilà, non je sais pas, bon on verra. Ou alors spammez un tout petit peu, mettez quelques trucs, genre 3-4 messages et remettez vos premiers messages, je sais pas. Bon il y a quelque chose en bas ici, dans le niveau, pardon, excusez-moi. Mais on sait pas trop ce que c'est. Bon. Dans tous les cas, on va aller par là. Donc là où on était en fait. Hein. Sachant qu'ici, on vient de là. Là, il y a l'air d'avoir des lasers. Je pense que c'est pas conseillé. Il y a une rune. On voit qu'il y a une rune. Aïe! Ah, c'est tout? Non, vraiment, c'est tout? Bon, ben, c'était juste pour une ruine. Yeah, au revoir, pop-up. Ouais, en effet, au revoir, pop-up, merci. Bonjour, Nino. Enfin, bonsoir, du coup. Donc là, on en vient. Du coup, ouais, les premiers messages de la soirée sur le chat, je ne les ai pas vus du tout. Il y a déjà la fontaine, mais vraiment, on a. Enfin, je veux bien me régénérer, mais on n'a pas trop pris de. Nino, j'ai essayé de mettre des points dans le chat, mais ils apparaissent quand on... Ouais. Bah, je ne sais que dire. Il y avait quelqu'un là tout à l'heure? Il est passé où? Ah, il est là. Elle est un petit peu beaucoup pétée quand même, cette épée. Voilà! C'est la triade. J'ai eu le temps de rien faire que le mec il m'a sauté dessus, il m'a aggro. Je sais pas, j'ai peut-être fait du charme sans le vouloir, je sais pas. Je te conseille d'être extrêmement prudent dans ces grottes. Un dragon irascible y a élu domicile. Un dragon. On va faire le plein.
Bon, il y a la madame, elle nous a dit de faire gaffe. Mais on a un peu de fontaine de vie ici. Allez, descend. Il en reste encore un peu ? Ouais. Il y a un coffre dans un cristal. Un monsieur dans un cristal. Ça, ça va se refermer, je sais pas pourquoi. Allez, viens là. On va supposer qu'il ne faut... Si, c'est une porte, c'est un accès, ça. Mais à chaque fois que je vais dans l'eau, je crève. Il y a des barreaux derrière, non ? Non, je sais pas. Ou des stalactites peut-être. C'est tentant, hein. Mais bon, l'eau, on a compris que c'était pas notre allié. J'ai un petit peu abusé sur la perte de vie. On va user ça jusqu'à la moelle. Voilà. On réfléchit, on fait pas les bêtises de l'autre fois. Je vais pas y arriver. Bon bah en fait si. Y a rien en bas. Y a un passage en bas, y a une sorte de fenêtre. Là, il y a l'air d'avoir un autre passage par là. En tout cas, l'eau qui fait le tour. Et là, on sait pas trop. Mais il y a un accès en bas. Enfin, un accès. Donc, soit c'est du détail, soit je ne sais pas. Wow! D'accord. Donc nous avons un coffre, deux méchants, un coffre au fond, de l'eau partout. Bon, est-ce que cette eau-là est notre allié ? J'ose plus du tout aller dans l'eau en fait. Ouais, mais le truc c'est que là, le calice est gentil, mais je ne peux absolument pas faire demi-tour. Ah, mais il est là le demi-tour du calice. Non ? Si, c'est ça. Allez, hop là. Oui. Caméra.
Merci. Ok, on est bon. Est-ce qu'on a une rune sur nous ou pas du tout? Non, donc ça sert à rien d'aller à gauche. Sinon, il nous faut une rune étoilée. Mais on est retombé ici. Ah, caméra. On est retombé ici, c'est quand même pas pour rien. Là, on vient de là. Ici, il y a les lasers, mais on a déjà récupéré une rune verte, qu'on a déjà posée du coup. Nous avancer à pas grand chose. Ici, on a pris un coffre, voilà. C'était la boutique. Ça, on l'a ouvert. Et donc voilà, donc on tourne un petit peu en rond. Il nous faut la rune étoilée. Enfin, la rune étoile en fait. Du coup, est-ce qu'on plonge derrière là où on a vu le passage? Est-ce que là en bas c'est un passage? J'en sais rien. Je vais tomber dans l'eau, c'est. Doucement. C'est bon, ça va. Et là, on revient sur nos pas. Ok, en fait, ici, on peut aller dans l'eau. Et là, on va retomber là où on... quasiment à l'entrée, en fait. Donc, il nous manque une rune, quelque part. Mais alors, où? Je n'en ai pas la moindre idée. À moins que ce soit... sous la fontaine, est-ce que c'est en bas là, ici, dans cette eau là, je ne sais pas. Est-ce que c'est là, il y a un passage là. Mais normalement, il y a un truc pour descendre. C'est un peu safe. Il n'y a pas l'air d'avoir grand chose. Hein. Et de 5, plus que 4. Ah, tu peux, tu parles de tes victoires Overwatch, Nino. Mais non, c'est pas long. Tu fais le PVE, faut en profiter, c'est rapide avec le PVE. Bon, je vois pas du tout où est-ce qu'il faut aller, à part là-dedans. Mais alors, bon, on tente. Bon, ben c'était ça en fait. J'ai vraiment beaucoup peur, enfin beaucoup plus peur de l'eau, c'est impressionnant. Pour invoquer ce dragon maléfique, tu devras insérer deux pierres de dragon dans les orbites de la gravure. Figure-toi que ce vieux grincheux sort rarement de sa tanière, car il redoute que le plafond de la caverne ne lui tombe sur la tête. Bon, bon, on sait comment le battre. Alors, des pierres de dragon. Oh là, je me trompe de bouton. On en a une. Hein. Elle est là. Mais il nous en a manque une deuxième. Hop, hop, doucement. Il y a plusieurs entrées. Je me sers. Hein. Bien, alors nous avons 1, 2, 3, 4 entrées. Bah, visitons.
Non? On peut pas y aller? Bah quand même, j'en viens là. Enfin j'en viens, je viens de la précédente, c'était tout noir et je suis rentré. Non? Non plus. Non plus. Bon ben ça sert à rien. On va mettre la première pierre de dragon. Si c'est utile. Oui, on peut. Il y a marqué ouvrir l'inventaire, on peut. Deux pierres de dragon requises. Merde. Dommage. Bon, eh bien. Demi-tour. Vous avez déjà vu un squelette qui prend une douche? Voilà, maintenant oui. Bon, demi-tour. Faites demi-tour avec prudence. Ces caméras, c'est vraiment les mouvements de caméra. Dans certaines zones, c'est assez violent. Voilà, et là-bas, attendez deux secondes. Ah, d'accord. Ah, je pensais pas que ça aurait fait ça. Ah, mince, caméra. Oula, on se calme. La caméra, s'il vous plaît. Oui, je sais qu'il y a du monde. Alors, je viens de faire un trophée. Le trophée s'appelle Rends-moi ça. Donc, je suppose que le mec m'a pris mon arme et je viens de la reprendre. Bon, la chauve-souris, elle a fini. Ok. Original FR, salut. Ben, salut à toi aussi, bonjour. Bonsoir, plutôt. On a deux vaisseaux en face de nous. Et la sortie du niveau. Attendez, je me mets les bons mails sous les yeux. Ok, c'est bon. Comme ça, si on fait des choses, je le vois. Bon, allez, avance. Ah non, il y en avait. Ah non, s'il y a bien. Eh bien, ce fut court comme niveau, mais on devrait y retourner. Alors, comment tu trouves ce remastered? Eh bien, franchement, très sympathique. Bon, comme je l'ai dit dans les streams précédents, j'ai fait le jeu il y a 20 ans quand il était sur la PlayStation 1. Et c'est vrai qu'à l'époque, on trouvait ça magnifique, avec des technologies vraiment exceptionnelles. Quand on revoit ce que c'était à l'époque, tu te dis, ça pique les yeux quand même. Et là, ce qu'ils ont fait avec ce remaster, faut dire ce qui est, ils ont fait du très très bon travail, même s'il y a encore des bugs de mouvement, des bugs de caméra. C'est pas parfait, mais bon, au moins ça respecte les choses d'origine, donc c'est vraiment pas mal. Mais je me souviens pas du jeu par contre, je l'ai fait il y a 20 ans, mais je ne me souviens voilà pas du jeu. Voilà qui serait une formidable attraction pour touristes. Viens voir Sterngard le Tout-Puissant. Viens voir le dernier des centaures. Oh, regarde ce plouc de Daniel Fortesque, ce prétendu héros. Jusqu'au bout, il va me troll, lui. Dragon Alexandre comme avec Spyro. Oui, encore Spyro, ça va. En termes de graphisme, enfin à l'époque, franchement, ça va. Medieval était quand même très particulier comme graphisme. Sinon, bonjour tout le monde. Bonjour à toi aussi. La gargouille se fout de nous jusqu'au bout. Bien, on a 15 calices, c'est ça? Ouais. On a presque tout le monde autour de la table. On va pouvoir faire une raclette partie. Oh, les portes sont ouvertes. Mais on va quand même aller en haut en premier.
Bon, tout est fait ici. Donc on va devoir aller ici, bel et bien, comme il faut. Qui est cette dame? On mélange de la statue de la liberté, de Médusa. Parler au héros ou parler au héros? Alors on a le choix entre triangle parler au héros ou triangle parler au héros. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on choisit? Deux options pour un bouton et au final un seul texte. Alors ça, je m'y attendais pas, ça. On peut le screen? Voilà, c'est screen. Ça fait combien de temps que tu es dessus? Je l'ai commencé vendredi soir et on a fait 4-5 sessions de stream. Donc des sessions de 2h30 à 4h selon le temps disponible et la fatigue. Donc faut calculer. Je dois être à une dizaine d'heures dessus, je pense, là, au total. À peu près, ouais, ça doit être ça. Dragon Alexandre, démocratie. Ben oui, j'ai le choix entre la même chose ou la même chose. C'est vrai que. Non, on va pas se lancer sur des sujets comme ça. Pas maintenant. Bon, allez. Daniel, te voilà. Je me suis fait tant de soucis pour toi. Daniel, moi je sais que tu as le cœur d'un héros. Maintenant, il faut le montrer aux autres. Veux-tu essayer mes éclairs? J'en ai pas beaucoup, mais ils sont très puissants. Allez, vas-y. Et garde le menton bien haut. Oh, pardon, Daniel. Fais bien attention à toi. Le sort du bon peuple de Gallomère dépend de toi. Trophée obtenu, Daniel, maître S arme. Mon dieu, ce bug des S, il est même sur la PS, quoi. Il est déjà sur la Nintendo. Donc je peux lancer des éclairs avec un gant à la Thanos, j'ai envie de dire. Il y a une durabilité, c'est ça? Il y a une durabilité. Foudre, excellent pour se faire un réseau. C'est très drôle. Original FR, est-ce qu'il y a de la rejouabilité? Oui, parce que de toute façon, il y a un 100% à faire si tu veux vraiment tout faire. Il y a des succès cachés, donc il y a quand même pas mal de choses à faire. Et un truc spoil, une fois qu'on termine le jeu correctement et qu'on débloque certaines choses secrètes, eh bien, si je me trompe pas, on a accès à la version PS1 du jeu sur cette version PS4. Donc ça peut être drôle si tu veux refaire la vieille version tout en gardant, enfin tout en restant sur ta PS4, quoi. Bien, on a des éclairs. C'est très perturbant. C'est un jeu. Enfin bon. Bon, c'était un petit niveau assez court, c'était sympa. Pas comme le lac où on a mis une heure et demie. Bon, on a perdu beaucoup, beaucoup de temps, quoi.